Ah bon? Ouais. Qu'on se check? La télé nous laisse. Non, non, comment ça? Bah, en tout cas, moi, j'espionne le monde, je fais ça de chez nous, en arrière le rideau. C'est plus subtil. Non, non, non. Je regarde un groupe de sternes là-bas. J'en ai rarement vu autant autour de l'île. C'est fascinant, c'est magnifique, ça. Ah, nous autres, on en voit souvent, là. Il y en a tellement. On les remarque comme pu. Non, non, mais il peut en y avoir plusieurs espèces hein, dans le même groupe. Est-ce que tu savais ça? Ah, mes anges le savaient. Oh mon Dieu, ils viennent tellement proches pour s'alimenter. C'est... Oh, oh, oh! Il y en a une! Il y en a une! Une sterne de Dougal! Écoute, écoute. Ah, ouais! Ah, Dougal! Ouais, Dougal! Ah, oui. Mauvais Dougal, hein, demain. Ah, ben, je l'ai eu! En plus, c'est une espèce en voie de disparition. Au Québec, il y a juste aux îles qu'elle va nicher l'été. Check! Check! Ah, hey, tu vois, efface-la pas. Non, non, mais c'est impossible, là, c'est parce qu'elle est vraiment pas facile à reconnaître. C'est juste par son cri qu'on peut la différencier des autres. Là. Mais si tu regardes, là, sa queue est plus longue puis plus fourchue, puis son bec est presque entièrement noir. Ah non, mais c'est vraiment pas facile. C'est comme un Husky Charlie. Là. Une gang de monde. Dougal! Mais c'est pas que c'est rare de même. Mais c'est surtout à cause de son plus grand prédateur, le renard. Il ne gêne pas pour aller chercher les œufs, hein, même si les parents sont autour. Il doit se faire something de snack pareil, lui. Premièrement, il nous faut des œufs de sterne. Vous pouvez utiliser des œufs de sterne arctique ou Pierre Guérin. Mais je vous conseille réellement les œufs de sterne de Dougal. Pur délice. Mais je vous avertis, il faut être rusé afin de dénicher. Monsieur. 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 Excuse-moi, est un pur du tout. Hey, moi et ma chaloupe ici, si Hamas attend qu'on a sur l'île, t'es pour les voir le plus proche, là. Ah, j'aimerais ça, mais faut y aller le moins possible. Sinon, ça les dérange. Ah, je sais. Ça sonne mal. On est fin de même, j'entends aux îles. Ben, pourriez-vous me donner un livre? C'est que ça s'en vient lourd, pas mal. Oh, pas trop, mais ça fait vraiment plaisir. Sérieux, pogne ton casque, puis on y va. Mon casque? J'en ai pas. Pas de casque? Non. Tu connais le lecteur? Pas de casque, pas de quatre roues. Allez, on s'en part. Lorsque l'on parle de la protection d'une espèce, l'élément primordial est, évidemment, de savoir la reconnaître. Ses caractéristiques physiques, son milieu de vie et ses comportements sont de précieux indices afin de mieux repérer cette espèce. Mais rappelez-vous qu'une espèce en péril veut aussi dire qu'il est encore temps d'agir. Vous n'auriez pas vu un corbeau passer? Je me suis fait voler mon œuf.